c'est au ciel qu'est notre héritage éternel. Poursuivons au numéro 32. Grand Dieu, nous te bénissons. Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges, éternel, nous t'exaltons, de concert avec les anges, et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi, et Amen. Poursuivons au numéro 432, qu'on est bien à la maison, quand règne l'amour. On est quand règne l'amour, la joie est dans chaque son. Quand règne l'amour, c'est la paix, la bonne humeur, le véritable bonheur. Le temps passe avec douceur. Quand règne l'amour, oh, chaque jour,
quand règne l'amour. Partout sur notre chemin fleurissent roses et jasmins. La terre est un beau jardin quand règne l'amour. Au chaque jour, notre foyer soit par toi gardé dans l'amour. Tu me mettras à l'abri de tout mal, de tout souci. Par toi je serai béni, Jésus roi d'amour. Oh, je vous invite maintenant à vous tenir debout et ensemble nous allons entonner notre chantème. Soldats pour le conflit, entends-tu la paix? Répondras-tu aussi avec dévouement? Seras-tu enrôlé comme un volontaire? Des volontaires pour Jésus, de vrais soldats. D'autres sont enrôlés, pourquoi pas toi? Christ est le capitaine. Sont enrôlés, pourquoi pas toi? Christ est le capitaine, nous n'aurons pas peur. Seras-tu enrôlé comme un bonsoir à tous. Nous allons nous incliner pour la prière. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions, Seigneur, d'avoir permis que nous soyons tous ici pour écouter ta parole, Seigneur. Hâte le pas de ceux qui ne sont pas encore arrivés, Seigneur. Sois présent dans chaque esprit. Que ton esprit puisse nous diriger, que toutes les paroles qui vont être dites ce soir, Seigneur, soient pour nous édifier. Pardonne-nous, Seigneur, si nous avons commis des actes dans ta face en cette journée. Permets que nous soyons purifiés au nom de ton Fils Jésus. Amen.
Bonsoir, chers frères et sœurs. Est-ce que vous êtes content d'être là ce soir? Vous êtes sûr de ça? Parce que je ne vous vois pas sourire. Est-ce que vous voulez faire un petit sourire pour moi? Ah, voilà, c'est mieux. Eh bien, ce soir, je vous souhaite une cordiale et chaleureuse bienvenue. Et je vais vous demander d'accorder une oreille attentive à la suite du programme et à un chant spécial interprété par Casey et Rebecca. Test. Voici encore, Seigneur, pour être auprès de toi. Je t'appelle au secours parfois, au milieu de l'effroi. Aujourd'hui, je ne demande rien dans la fraîcheur du matin. Je suis venu te dire que je je t'aimais. Me voici encore, Seigneur, après des beaux discours. Ces symphonies inachevées sur la portée du jour. Ces deux fois, je ne peux garder ce silence de je suis venu te dire que je t'aimais. Je t'aime, Seigneur, mes mots sont bien imparfaits, mais je sais que tu vis dans mon cœur et dans ses profondeurs. Je je vais vous inviter maintenant à vous remettre debout et ensemble nous entendrons la première strophe de notre chant-thème. Un appel vient pour les
soldat il est pour tous. Soldat pour le conflit, entends-tu l'appel? Répondras-tu aussi avec dévouement? Seras-tu enrôlé comme volontaire? Des volontaires pour Jésus, de vrais soldats. D'autres sont enrôlés, pourquoi pas toi? Christ est le capitaine, nous n'aurons pas peur. Seras-tu enrôlé comme un volontaire? Merci. Je pensais que en venant ici à l'église, puisque c'est une maison de prière, je pensais aussi trouver de l'eau. Parce que depuis 48 heures, étant habitant de Goyave, je n'ai toujours pas d'eau chez moi et j'ai apporté un bidon avec l'espoir de trouver de l'eau ici. Mais on m'a dit qu'ici aussi, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Donc, nous sommes tous logés à la même enseigne. Nous souhaitons que d'ici ce soir ou demain, l'eau reviendra, puisque nous avons besoin de l'eau. Mais pour ce soir, nous avons Jésus, qui est cette eau qui va tout simplement étancher notre foi. Alors, ce soir, j'aimerais vous inviter à prendre le texte qui se trouve dans Matthieu 6, les versets 33 et 34. Matthieu chapitre 6, les versets 33 et 34. Je vous demanderai, je vous donnerai le temps de trouver ce texte pour que nous puissions le lire ensemble. Pendant que vous cherchez le texte, j'aimerais vous poser, est-ce que vous êtes en forme? Vous savez pourquoi je vous pose la question? En forme. Le E c'est quoi? Le N c'est quoi? Le F c'est quoi? Le O, foi. Le O c'est quoi? Ok, le R c'est quoi? Repos, d'accord. Le M c'est quoi? Super. Le E c'est quoi? Et le S c'est quoi? Amen. Vous êtes de super étudiants, de bons élèves. Lisons ensemble Matthieu 6, versets 33 et 34. Lisons ensemble. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Prions ensemble, éternel notre Dieu, une nouvelle fois, nous venons d'ouvrir les Saintes Écritures parce que nous pensons trouver en elles la vérité, le soutien dont nous avons besoin, car nous savons que tu nous aimes plus que nous-mêmes, afin de faire en sorte que jour après jour, nous puissions rester à tes côtés. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. J'ai dit au Seigneur, je n'ai pas d'argent. Il me faut absolument avoir mon permis de conduire. Et je passais à la fois le code et aussi la conduite. Je prenais des cours pour le code et je prenais des cours de conduite. Je le faisais parce que je n'avais pas beaucoup d'argent et parce que j'étais pressé. Vous comprenez? Je suis pressé d'avoir mon permis. C'est important d'avoir son permis et je n'ai pas d'argent. Seigneur, je n'ai pas d'argent. Permets que je puisse avoir mon code rapidement et que je puisse avoir mon permis aussi rapidement. Donc, j'ai étudié le livre du code. Je connaissais le code par cœur depuis la couverture jusqu'à l'autre couverture, jusqu'à la première page, jusqu'à la dernière page. J'étais prêt pour le code. Et à l'époque, il fallait avoir 35 points pour réussir son code. Donc, j'étais à l'examen. Et après, j'ai eu les résultats de l'examen.
J'ai eu 34 points. J'ai dit, Seigneur, il y a un problème. Je t'ai dit que je n'ai pas d'argent. Je t'ai dit, Seigneur, que j'ai besoin du code, j'ai besoin de mon permis, Seigneur. Donne-moi mon code et mon permis pour que je puisse avancer dans la vie. Donc, je me suis dit, Seigneur, on va réessayer. Donc, j'ai encore appris le livre du code, les panneaux, les priorités, et j'étais à l'examen, confiant en mon Seigneur. Confiant en mon Seigneur. J'étais à l'examen, et les résultats sont tombés. J'ai eu encore 34 points. J'ai dit, Seigneur, non, il y a un problème. Pourtant, je connais les panneaux. J'ai dit, Seigneur, ben, si c'est comme cela, je n'ai plus besoin d'étudier, parce que je connais déjà le code. Ce n'est pas la peine que je passe mon temps dans cela. Seigneur, cette fois-ci, j'y vais. Et j'étais la troisième fois, j'ai eu 37 points, j'ai eu mon code. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que certaines fois, nous pensons que le moment est arrivé pour nous d'avoir quelque chose et que le Seigneur nous dit « Non, non, ce n'est pas encore le moment. » Et ce n'était pas encore le moment parce que je n'étais pas encore prêt pour aller à l'examen de conduite. Vous vous rappelez, je prenais des cours pour le corps, des cours pour la conduite. Eh bien, je peux vous dire, chers amis, après les deux échecs et la réussite la troisième fois, j'étais finalement prêt, à ce moment précis, pour aller sur la route, pour ne tuer personne, d'accord? Pour ne tuer personne. Et j'ai eu mon permis de conduire dès la première fois, parce que Dieu sait ce qu'il y a de mieux pour nous. Vous avez des hommes et des femmes qui vivent dans une telle inquiétude aujourd'hui. Et chers amis, permettez-moi de vous dire, il ne faut surtout pas les juger, parce que vraiment, il y a de quoi s'inquiéter. Je ne vous parle même pas des guerres, je ne vous parle même pas de notre président Macron qui parle d'envoyer des troupes en Ukraine. Je ne vous parle même pas de ça. Je vous parle de la vie quotidienne, des gens qui n'ont pas d'argent pour se nourrir, des gens qui ont des difficultés économiques, des gens qui ont des difficultés sur le plan social. Et je ne vous parle même pas de la criminalité aujourd'hui. Récemment, à Pointe-à-Pitre, j'ai entendu qu'on a tué une commerçante, chers amis. La vérité, c'est que lorsque vous marchez sur le trottoir ou encore lorsque vous conduisez, ne regardez personne de travers. Parce que si vous les regardez de travers, vous ne savez pas ce qui vous attend. Le monde d'aujourd'hui, les gens sont dans un certain désespoir, sont désespérés, mais ils se posent la question, mais qu'est-ce qui se passe sur la terre aujourd'hui? Nous, dans la parole de Dieu, dans Matthieu 24, nous avons vu que Dieu nous disait, que Jésus nous disait qu'il y aura des signes. Les signes sont en train de s'accomplir devant nous. Les choses se font devant nous. Mais le pire dans tout ça, chers amis, le pire dans tout cela, mais vraiment le pire dans tout cela, c'est que nous pensons, beaucoup de personnes pensent aujourd'hui qu'ils doivent mettre leur énergie, qu'ils doivent mettre leur dynamisme à résoudre leurs problèmes et leurs difficultés. Beaucoup d'étudiants pensent aujourd'hui, là où je dois mettre mes efforts, là où je dois véritablement donner le meilleur de moi-même, c'est dans mes études. Je viens de parler avec une amie qui me disait, ça fait 48 heures que son fils n'a pas dormi, parce qu'il avait un devoir à préparer avec ses amis. Donc, on a l'impression qu'aujourd'hui, les hommes et les femmes, et particulièrement dans les villes, pensent que là, ils doivent faire des efforts, c'est pour trouver un travail. Et je me rappelle que lorsque j'étais enseignant, les parents, lorsque demandaient à un parent, quel métier que vous vouliez que votre enfant fasse, vous entendez les parents vous dire, je voudrais qu'il soit médecin, je voudrais qu'il soit avocat, je voudrais qu'il soit ingénieur. Et j'ai dit aux parents, mes chers parents, heureusement encore qu'il y a des électriciens,
puisque ce n'est pas un médecin que tu vas appeler pour pouvoir résoudre tes problèmes électriques, n'est-ce pas? D'accord? Ce n'est pas non plus un avocat que tu vas appeler pour résoudre tes problèmes de plomberie, n'est-ce pas? Donc, nous avons chacun notre intelligence, ça il faut l'accepter. Et il faut reconnaître une chose, en fonction des dons et des talents que Dieu a donnés à chacun d'entre nous, chers amis. Notre effort, l'effort que nous devons faire, ne se trouve pas dans les choses matérielles de cette vie, ni sur le plan économique, ni sur le plan social, ni sur le plan académique, ni même sur le plan conjugal. Trouver un mari, trouver une épouse ou un époux. Vous avez des gens qui se sont fixés un objectif et ils font tout, ils mettent tout en œuvre pour trouver un conjoint, un époux ou une épouse. J'allais dire quelque chose, mais je ne vais pas dire ça maintenant. Mais la chose est la suivante, chers amis. Ce n'est pas là que nous devons mettre nos efforts. Ce n'est pas là que nous devons mettre notre attention. Ce n'est pas là, chers amis. Le texte est clair dans Matthieu 6, verset 33. Qu'est-ce qu'il est dit dans Matthieu 6, verset 33? Qu'est-ce qu'il faut faire? Chercher quoi? Premièrement, non, chercher premièrement une profession. Chercher premièrement un conjoint. Chercher premièrement un diplôme. Chercher premièrement une maison. Chercher premièrement une voiture. C'est pas ce qu'il dit? Chercher premièrement la justice de Dieu. Et vous savez que les gens qui ne connaissent pas, qui n'ont pas cette relation avec Dieu, ils vont chercher, d'accord, avoir un mari, avoir un époux, avoir une maison, avoir une profession. Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais l'important, là où devons nous focaliser, c'est sur le royaume de Dieu et sa justice. C'est bon? Sur le royaume de Dieu et sa justice, chers amis. Ouais. Ça, c'est le début du sermon. C'était l'introduction, hein? C'est l'introduction du sermon. D'accord? Là où il faut chercher, là où il faut se focaliser, c'est le royaume de Dieu et sa justice. Je vais reprendre ça encore. Ma priorité, ta priorité, c'est le royaume de Dieu et sa justice. C'est le message que nous devons véhiculer à ces personnes qui ont mis tout leur espoir, toute leur énergie sous les choses de ce monde. Mais qu'est-ce que le royaume de Dieu et sa justice? That is the question. Premièrement, il faut avoir quelque chose à l'esprit. Et ça, il faut être clair là-dessus. Dieu vous aime plus que vous-même. Amen. Dieu vous aime plus que vous-même. Dieu m'aime plus que moi-même. Ce que Dieu est prêt à faire pour moi, je ne le ferai jamais pour moi-même. Maman. Ce que Dieu est prêt à faire pour moi, je ne le ferai jamais pour moi-même. Ne pense pas que l'Éternel ne te voit pas, ne te regarde pas. Ne pose pas son regard sur toi avec grâce. En réalité, chers amis, le mot grâce veut dire tout simplement... Écoutez-moi bien, le mot grâce veut dire que Dieu se penche vers moi, que Dieu a un penchant vers moi. Ça me rappelle cette histoire de cette jeune fille qui marchait dans la rue et un jeune homme qui voulait attirer son attention et lui montrer toute l'affection qu'il avait pour elle. Et il lui dit, tu sais, j'ai un penchant pour toi. J'ai un penchant pour toi. Et la fille, avec humour, l'a regardé. Mais si tu as un penchant pour moi, tombe. Puisque tu as un penchant pour moi, tombe. Mais en réalité, chers amis, cette histoire est intéressante parce que Jésus, dans le penchant qu'il avait pour nous, il a quitté aussi. Il est tombé dans quelque chose. Il est venu sur la terre pour nous montrer tout l'amour qu'il a pour nous. Donc, le penchant de Dieu est un penchant réel. Donc,
Dieu nous aime premièrement. Cherchez premièrement la justice de Dieu. Écoutez-moi attentivement. Ce n'est pas seulement accepter Jésus comme sauveur, mais c'est aussi accepter Jésus comme le maître de ma vie. Hello. Hello. Ce n'est pas seulement accepter le Jésus qui pardonne, mais c'est accepter le Jésus qui dirige ma vie. Écoutez la suite du discours. Dieu m'emmènera, Jésus m'emmènera là où je ne veux pas aller parce qu'il a un projet d'amour pour toi et pour moi. Je vais reprendre ça. Si tu penses que Dieu va te conduire seulement dans les lieux où tu veux aller, si tu penses que Dieu va te garder dans ta zone de confort, laisse-moi te dire, tu te trompes lourdement. Dieu va te tirer de ta zone de confort pour t'amener dans le chemin où il veut que tu sois. Donc, il s'agit d'accepter Jésus comme le maître de ma vie. C'est-à-dire, je ne fais pas, comme disait Paul, je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que Jésus veut. Et on a intérêt à accepter de faire ce que Jésus veut. Maintenant, je vais faire une illustration avec un enfant ou un éclaireur qui voudrait bien venir. Tu veux venir? D'accord. OK, bien. OK. C'est un aventurier. Très bien. Alors, c'est un aventurier. Saviez-vous que... À cause du péché, nous avons les yeux bandés. OK? Tu peux venir, Sarah, pour attacher les yeux de ce jeune homme pour moi, s'il te plaît. OK? Attache ses yeux pour moi. Voilà tout homme. Écoutez-moi attentivement. Voilà tout homme et toute femme qui n'accepte pas Jésus comme le maître de sa vie. Tu vois? Est-ce que tu vois? Non. Tu ne vois pas? D'accord, très bien. Merci, Sarah. Tu ne vois pas? D'accord? Mais c'est la réalité. À cause du péché, nous ne voyons absolument rien. Je vais reprendre ça encore. À cause du péché, toi et moi, nous ne voyons absolument rien. Ou encore, nous ne voyons que les choses d'un point de vue charnel. Et quand on parle de point de vue charnel, les gens pensent à sexualité. Non, ça veut dire que notre égoïsme, notre ego prend totalement le dessus. OK? Sarah, mets-toi quelque part dans la salle. Comment tu t'appelles, mon garçon? Anthony. Comment? Anthony. Antonine, d'accord. Anthony. Va vers Sarah. Va vers Sarah. Non, tu as les yeux bandés. Va vers Sarah. Chère Sarah. Non, il ne faut pas l'appeler. Chère Sarah. Chère Sarah. OK. D'accord. Pourquoi il ne trouve pas Sarah? Parce qu'il ne voit pas. Vous savez que... Reste là. Vous savez que nos projets, nos plans, nos émotions, nos désirs nous empêchent de voir? Est-ce que vous le savez? Ça nous empêche de voir parce que nous sommes tout simplement animés, imbus de nous-mêmes. D'accord? Tu vois rien du tout? Rien du tout. D'accord. Maintenant, reste là. Écoute bien. Écoute ma voix. Et à ma voix, je vais te montrer le chemin pour aller vers Sarah. OK? Tourne-toi. Tourne-toi. Voilà, très bien. Marche droit devant. D'accord? Encore. 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 Voilà, stop. Okay. Avance encore devant. Un pas.
Encore une, deux pas. Stop. Tourne-toi vers ta gauche. Ta gauche. Voilà, très bien. Marche droit devant. Droit devant. Droit. Marche droit devant toi. Droit devant toi. Droit devant toi. Stop. Vous savez pourquoi il prend le bon chemin? Dites-moi pourquoi il prend le bon chemin. Parce qu'il écoute la voix du berger. Il accepte de suivre le berger. Garde tes yeux fermés, toi, petit malin. Garde tes yeux fermés. C'est parce qu'il écoute la voix de Dieu. Parce qu'il accepte de suivre Dieu. D'accord? D'accord. Bien, vas-y, avance. Va tout droit. Tout droit, tout droit, tout droit. Pour aller vers Sarah. Tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. OK, OK. Et va sur ta gauche. Ta gauche, par là, c'est par là, ta gauche. Voilà. Voilà, Sarah. Très bien. Merci. OK. Merci, Sarah. Très bien. Très, très bien. Ça peut paraître assez anodin, ce que nous venons de faire, mais laissez-moi vous dire une chose. Une bonne idée, écoutez-moi attentivement, une bonne idée peut se mettre au travers du chemin d'une idée divine. Je vais reprendre cela. Une bonne idée humaine, un bon plan humain peut se mettre au travers du chemin d'une idée, d'un plan divin. Prenons l'exemple très simple. Il se peut que tu rencontres un beau jeune homme, une belle fille, et tu te dis que c'est cette personne-là, avec cette personne-là, que je fais faire ma vie. Mais il se peut que ce ne soit pas le plan de Dieu. Or, c'est un bon plan, mais que Dieu a un autre plan pour toi avec une autre personne. Tu avais un bon plan, c'était ton super plan, mais le plan de Dieu est meilleur que pour toi. Certaines fois, nous faisons nos plans et nos projets. Certaines fois, nous mettons Dieu derrière pour que tu puisses dire que tu cherches premièrement la justice et le royaume de Dieu. Il faut que Jésus soit le maître de ta vie. Et quand il est le maître de ta vie, écoute-moi bien, il va y avoir une confrontation entre ta volonté et la volonté de Dieu. Je vais reprendre ça. Aïe, aïe, aïe. Il va y avoir une confrontation entre ta volonté et la volonté de Dieu. Bon, c'est Sarah que je connais. Sarah vient. Attends, je ne vais pas prendre Sarah, puisqu'on va dire que je connais. D'accord, j'allais, oui. Le frère qui est au fond, tu peux venir? Celui qui est tout au fond. Au fond, au fond. Et oui, oui, toi, viens. Oui, viens, tu peux venir? Oui, oui. On a fait connaissance samedi, pas vrai? On a bien mangé, pas vrai? On a bien mangé. Tu vois? Donc, on va dire que c'est lui Jésus. OK? C'est lui Jésus. D'accord? Et moi, je suis un être humain. D'accord? Voilà. Donne-moi la main. Emmène-moi de ton côté. Voilà, 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 voilà. Et c'est ça qui se passe avec le Seigneur Jésus. On est en tension avec le Seigneur Jésus. On veut faire ses propres choix, on veut faire sa propre... C'est jusqu'à ce que je m'abandonne entre les mains du Seigneur que je suis en train de chercher premièrement la justice et le royaume de Dieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc il faut vraiment... Il y a une confrontation, il y a une tension qui se fait. Il y a une confrontation, il y a une tension qui se fait. Parce qu'on ne veut pas laisser Dieu nous conduire. Parce que suivre la voie de Dieu, ce n'est pas toujours facile, pas vrai? Tu vois, je me regarde, pasteur, si tu savais. Si tu savais. Mais c'est le meilleur chemin. C'est le meilleur chemin. Et je te rappelle une chose, si tu l'as oublié, c'est que le Seigneur t'aime plus que toi. Il ne fera rien, rien qui va t'empêcher d'avancer avec lui. Donc c'est la première chose, chercher premièrement le royaume de Dieu, sa justice, c'est permettre au Christ d'être le maître de ma vie. Et la deuxième chose, mes frères, la deuxième chose, c'est annoncer la bonne nouvelle
à tous ceux qui habitent les villes, à tous ceux qui nous entourent, c'est annoncer la bonne nouvelle du royaume de grâce de l'Éternel, notre Dieu. Amen. 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 On va partir ensemble et annoncer cet évangile de paix et cet évangile de grâce. Permettez-moi de vous dire que notre Église, peut-être pas la vôtre, mais notre Église a reculé en matière d'évangélisation, en matière de mission. On a reculé et on devrait avancer. Si tu dis que tu cherches premièrement le royaume des cieux et sa justice, et que tu n'es pas impliqué dans la mission, dans l'annonce de l'évangile, c'est faux, tu ne cherches pas premièrement le royaume des cieux et sa justice. Parce que quand tu cherches le royaume des cieux et sa justice, tu veux agrandir le royaume de grâce de Dieu. Tu veux que davantage de personnes puissent bénéficier aussi de la grâce du Seigneur. Donc j'accepte que Jésus soit le maître de ma vie et j'accepte d'annoncer ce Jésus sauveur. Je n'ai point honte de l'évangile. Parce que c'est une puissance de salut. Donc on n'a plus honte de l'évangile. Ça va? Donc on est prêt? On est prêt? Dites à la personne qui est à côté de vous. Je cherche, premièrement, dites-lui la suite. Je cherche premièrement la justice et la... C'est ce message-là qu'il faut transmettre à ceux qui nous entourent, afin qu'ils acceptent et qu'ils reçoivent le Seigneur Jésus. Ce qui est merveilleux dans ce texte, c'est que alors que certains pensent qu'il faut mettre toute leur énergie, toute leur force dans les choses de ce monde, que ce soit occupation, que ce soit profession, que ce soit argent, que ce soit tout ce que vous voulez. La Bible dit non, mets toutes tes forces, ton énergie dans la justice et le royaume de Dieu. Et ça se fait de façon concrète en acceptant Jésus comme le maître de ma vie. Pas seulement sauveur, mais comme le maître de ma vie et accepter d'être celui qui va annoncer cette bonne nouvelle aux autres. Et le texte ne s'arrête pas là. Qu'est-ce que le texte dit après? Qu'est-ce que le texte dit après? Toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Je vous rappelle le contexte, hein, parce que Jésus dit, mais pourquoi vous vous inquiétez, d'accord? En ce qui concerne le boire, le manger, etc. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Nous, les enfants de Dieu, le Seigneur nous a promis de nous accorder toutes ces choses par-dessus tout. En d'autres termes, Dieu sait ce dont tu as besoin. Dieu sait ce dont tu as besoin. Mais je vais faire une illustration maintenant pour vous montrer que le problème ne vient pas de Dieu, mais que le problème vient de nous. D'accord? Alors, je vais demander à trois enfants de venir. Trois enfants de venir. Ou trois éclaireurs, peu importe. Hein? Trois éclaireurs. D'accord, trois éclaireurs. Voilà. Très bien. Eh bien, il y en a quatre, c'est super. D'accord. Bien. Tu auras la bouteille. D'accord? Tiens la bouteille. Oui, toi, regarde devant toi. OK? Tiens, tu auras un pot. OK? Toi, tu auras un pot aussi. Non. Donc, toi, tu auras le seau. D'accord? Mets-toi par ici. Viens par ici avec le seau. Très bien. Reste là avec le seau. Très bien. Très bien. Et toi, tu auras la bouteille. Dieu veut nous bénir. OK? Dieu veut nous bénir. OK? Et vous savez que les bontés de l'Éternel sont comment?
inépuisable. Les bontés de l'Éternel sont inépuisables. Viens. Donc, toi, tu viens. Voilà un chrétien qui vient, mais il demande à Dieu de le bénir. Et il vient avec un petit gobelet. Donc, on va remplir son gobelet. C'est un gobelet. D'accord? Avec le récipient de foi que vous venez, c'est cela que Dieu va remplir. Tiens. Voilà. OK. Très bien. Ça va? Bien. Une autre personne viendra avec une petite bouteille. Viens par ici. Il vient avec la bouteille. Reste là, regarde devant toi. OK? Ouvre la bouteille. Très bien. Très bien. Donc, on va remplir sa bouteille. On imagine que sa bouteille est remplie. Donc, celui qui est venu, écoutez-moi attentivement, reste là, regarde devant toi, reste là et regarde devant toi. Celui qui est venu avec ce gobelet ne doit pas s'attendre à recevoir, comme lui, une bouteille remplie. Tu es venu avec un gobelet. Tu as cru avec le gobelet. C'est ça ta foi. Donc, il t'est fait stand up. Debout, debout. D'accord, tiens ton truc. Voilà. Merci. OK. Celui-ci vient avec une plus grande foi. Il croit que... Ouvre la bouteille, s'il te plaît. Ouvre la bouteille. Voilà. On va remplir sa bouteille. Voilà. On remplit sa bouteille. OK. Tu peux fermer ta bouteille. OK. Mais dites-moi, est-ce la faute de Dieu? Dieu fait en fonction de ta mesure de foi. Tu ne peux pas dire à Dieu, « Seigneur, celui-ci, tu lui as donné tant. Celui-ci, tu as donné, et moi, tu m'as donné très... » Non. Dieu fait en fonction de ta foi. En fonction de ta foi, de ta confiance, de ce que tu es prêt à recevoir avec lui. Très bien. Merci. Merci les enfants. Je reprends ma bouteille. Mon eau, d'accord. Vous pouvez vous asseoir. Toi, tu restes, d'accord. Toi, tu restes. Okay. Vous pouvez aller vous asseoir. Allez vous asseoir. Merci, vous allez vous asseoir. Toi, tu restes, ma petite. Maintenant, nous tous, je peux vous dire, nous tous, on veut que l'Éternel nous bénisse, ouais, abondamment. Seigneur, abondamment, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Abondamment, Seigneur, donne-moi. OK. Vous voulez abondamment? On va faire abondamment? Bien. Abondamment, hein? OK. Hop là. Abondamment. Abondamment. Parce que le Seigneur est prêt à donner. Abondamment. D'accord? Abondamment. Abondamment. Ah ouais. De l'eau, des bénédictions. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Tiens, pars avec. C'est lourd, hein? C'est lourd. C'est trop lourd pour toi, pas vrai? C'est trop lourd pour toi. Pas vrai? C'est trop lourd. Merci, ma puce. Merci beaucoup. Tu peux aller t'asseoir. Tu peux aller t'asseoir. Le problème n'est pas avec Dieu. C'est que nous ne pourrons vraiment porter toutes ces bénédictions. Elles sont trop lourdes pour nous. Parce que soit on n'a pas suffisamment de foi pour les porter, soit... ces bénédictions-là vont se tourner en malédiction pour nous parce qu'on ne pourra pas les utiliser. Ou soit tout simplement que ce que Dieu a prévu, on n'est pas encore prêt à le recevoir. C'est comme moi. Moi, je pensais que j'étais déjà prêt pour avoir le permis. Mais Dieu m'a dit non, tu n'es pas encore prêt. Mais nous, on veut, ah oui, Seigneur, ah ouais, donne-moi toutes les bénédictions. Ouais.
Toutes les bénédictions, oui. Mais il faut être en capacité de gérer les bénédictions de l'Éternel. Hello. Il faut être en capacité de gérer les bénédictions de l'Éternel. L'Éternel est prêt, le texte est clair. Toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Au moment où Dieu a décidé, pas au moment où moi je décide, au moment où je serai prêt à pouvoir porter, d'accord? Le Seigneur va te donner, voilà, c'est ce que tu peux porter pour l'instant. C'est comme ça que tu peux porter pour l'instant. Mais toi, tu as les yeux gros, grands. Tu dis, non Seigneur, je peux porter tout cela. Eh bien non, Dieu te connaît mieux que toi-même. Et lorsque tu as reçu de la part de Dieu, tu ne t'inquiètes pas. Hello. Le monde est inquiet. Les gens sont inquiets aujourd'hui. Mais les enfants de Dieu ne sont pas inquiets. Amen. Les enfants de Dieu ne sont pas inquiets aujourd'hui parce qu'ils savent en qui ils ont cru. Et ils savent qu'ils peuvent compter sur Dieu. Ils savent qu'ils peuvent s'appuyer sur Dieu. Nous ne sommes pas inquiets. Nous savons qu'il y aura des moments difficiles. On le sait. Mais nous savons que nous pouvons compter sur notre Seigneur Jésus parce qu'il est tout-puissant. Donc ceux qui veulent réellement recevoir les bénédictions de Dieu, plus tu es fidèle à Dieu, plus Dieu peut te confier des responsabilités. Je vais reprendre cela. Il y a des gens qui veulent de grandes responsabilités. On t'a donné une petite chose à faire, tu n'es même pas capable de prendre soin d'une bouteille et tu vas avoir les 6 bouteilles. Et lorsque Dieu te dit, ouais, tu sais quoi? Voilà le chemin que tu dois prendre. Tu dois passer par là. Non, Seigneur, je ne veux pas passer par là. C'est par là que je veux aller. Et tu veux que l'Éternel te donne sans mesure, alors que toi, tu n'es même pas prêt à le suivre sans mesure. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons laisser un exemple pour ceux qui nous entourent, pour leur dire très clairement, je fais confiance à Dieu. Le Seigneur est le maître de ma vie. J'annonce la parole de Dieu pour que le royaume de grâce puisse s'agrandir. Et laisse-moi te dire, et je vois ce que Dieu fait dans ma vie. La plus grande, et je terminerai certainement avec cela, la plus grande bénédiction que Dieu fait pour toi et pour moi, ce n'est pas de te donner un époux, ce n'est pas de te donner une épouse, ce n'est pas de te donner de l'argent, ce n'est pas de te donner une profession, ce n'est pas non plus de te donner un super diplôme. Non, la plus grande bénédiction que Dieu te donne à toi et à moi, c'est la transformation du caractère. C'est la transformation du caractère. Jour après jour, plus tu t'abandonnes entre les mains du Seigneur, tu le vois te transformer, te changer à l'image de Jésus. Et les choses que tu pensais, les choses qui te tracassaient, les choses qui t'embêtaient, les choses qui t'inquiétaient, tu sais que le Seigneur est à tes côtés. Et le Seigneur pourra te bénir comme jamais auparavant parce que tu as accepté qu'il soit vraiment le maître de ta vie. Nous avons besoin, en tant qu'enfants de Dieu, et particulièrement, vous les jeunes, le Seigneur compte sur vous, parce qu'il y a tellement de jeunes qui sont désespérés aujourd'hui. Il y a tellement de jeunes qui pensent qu'il y a un seul chemin, une seule voie, la voie de ce monde, mais c'est à nous de leur montrer qu'il y a une autre voie, la voie du Seigneur. La voie du Seigneur. Il y a la voie du Seigneur. C'est la seule et bonne voie que nous pouvons prendre. Mais je vous avertis, en ce soir, si vous acceptez de chercher premièrement la justice et le royaume de Dieu, vous ne serez plus la même personne. Hello? Vous ne serez plus la même personne. Et ça va se voir. Je peux vous dire que ça va se voir. Vous vous rappelez notre thème? C'est quoi notre thème?
show up dans la ville. Show up dans la... On va vous voir dans la ville. Parce que votre attitude, votre comportement, votre manière de faire, votre manière d'être va démontrer tout simplement que Jésus est le maître de votre vie. J'aimerais vous inviter maintenant à prier pour votre partenaire qui est à côté de vous. Priez pour lui, priez pour elle, pour qu'il ou elle puisse véritablement chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Totalement, complètement. Pour que Dieu puisse véritablement l'entourer de ses bénédictions. Et la meilleure, la plus grande bénédiction, transformation du caractère. Transformation du caractère. Vous êtes déjà beau et belle extérieurement, mais intérieurement, vous serez encore plus beau et plus belle intérieurement. On verra toute votre beauté intérieure ressortir parce que vous êtes à l'image de notre Seigneur Jésus. Donc choisissez votre partenaire et prions par groupe de Dieu, s'il vous plaît. On a déjà pris.
tenir debout et ensemble nous allons chanter notre chantelle. Il est pour tous, soldats pour le conflit. Entends-tu l'appel? Répondras-tu aussi avec dévouement? Seras-tu enrôlé comme volontaire? Des volontaires pour Jésus, de vrais soldats. D'autres sont enrôlés, pourquoi pas toi? Christ est le capitaine. Suivront de près chaque jour. Lui, ce brave héros, veut bien nous former. Seras-tu enrôlé comme volontaire? Des volontaires pour Jésus, des vrais soldats. D'autres sont enrôlés, pourquoi pas toi? Christ est le capitaine, nous n'aurons pas peur. Seras-tu enrôlé comme volontaire? Oui, Seigneur, nous faisons le choix ce soir, ou encore nous réitérons notre choix ce soir, de rechercher premièrement ta justice, le royaume de Dieu, d'être tout simplement des serviteurs, des disciples, reconnaissant que Jésus est notre maître et que c'est lui qui dirige nos vies. De faire en sorte aussi, Père, que nous puissions réaliser, comprendre que nous avons une mission, c'est d'annoncer ce royaume de grâce. Nous acceptons ce soir de le faire, de prendre cet engagement et nous comptons sur toi pour que tu puisses continuer à nous bénir en fonction de ce que tu as prévu pour chacun d'entre nous. Que nous puissions apprendre à compter sur toi, à nous appuyer sur ta puissance et ton amour. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Amen. Bonne soirée à tous et à demain, Dieu voulant, 18h30. Yeah.